Exactement, ça m'arrive. Si vous m'entendez. Vous m'entendez comme ça va? Oui, ça va. Parfait. Vous êtes combien? Est-ce qu'il va y avoir d'autres étudiants ou là c'est le ramadan qui fait que vous êtes neuf? ما صباح احنا هكذا في الحق تسمى ما شكيت شي يزيدوا يجوا Donc, نبدأ. وي C'est ce que je me suis dit. Je pense que. Je me suis dit que, vu Ramadan, on va attendre pour rien. Très bien, je vais démarrer. Il y a un nouveau cours qui s'appelle le clustering. Donc, on va le comprendre. On va voir les différents types de clustering. Mbada. Je vois comment évaluer sa qualité, etc., les cas des données. On verra des algorithmes de clustering. Donc, le clustering est un processus dont l'objectif est de partitionner ou la regrouper. Ça veut dire tu fais comme un tout. Tu vas diviser. Ou là, tu fais chaque élément. C'est un groupe. Où tu vas les regrouper. Donc, il y a, je vais oublier, il y a deux approches. Une approche ascendante ou une approche descendante. Donc, un ensemble de données, objets, ou un ensemble de groupes appelés cluster. Donc, l'idée de base, c'est ça. Donc, un des données, le but, c'est de les voir sous forme de groupe. Donc, quand tu vois les données, tu vois, je vais essayer de les regrouper par similarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données qui se ressemblent le plus vont être dans le même groupe. Et ceux qui se ressemblent le moins seront dans deux groupes différents. Donc, je vous les premièrement, les objets sont décrits par des caractéristiques, attributs qui représentent leurs propriétés. Parce qu'un objet, ce sera un vecteur. Ça va par exemple. Andy, je vais regrouper des clients. Je vais faire une offre marketing. Habite l'offre maintenant pour tout le monde de la même façon. Les gros clients, mettez-leur une offre X. Les clients moyens, mettez-leur une offre Y. Et les clients occasionnels, mettez-leur une offre Z. Qui est comme gros client, tu fais un marqué montant. Ça y est, le type de client, ma collègue, un gros client. Je vais former des groupes de mes clients. Qui m'a, par exemple, je suis aux réseaux sociaux, par exemple Facebook. Est-ce que le contenu que vous voyez, les autres le voient? Est-ce que tout le contenu est similaire ou là, il est différent? Qui troll Facebook, tu fais un contenu. Est-ce qu'il est différent pour tout le monde ou là est-ce qu'il est similaire pour certains? Similaire, je suis là. Et il y a généralement, on qui fait dire les mêmes publications pour des gens différents. Mais ils ont plus de 1 milliard ou là d'utilisateurs, ils ne peuvent pas faire. Un contenu personnalisé pour chaque personne. C'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier, ou un drame et une autre contrainte, c'est que le contenu intéressant. Là, chaque fois que tu as un contenu qui ne t'intéresse pas, peut-être tu vas abandonner de voir Facebook. Là, c'est bon. Tu ouvres le t'intéresser. Donc, où je un, d'un côté, il faut que je trouve un contenu qui m'intéresse. Deux, lazim, le contenu, mais le contenu, je vais dire personnalisé pour chacun. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur population qui est leur utilisateur et ils vont voir leur similarité. C'est ce qu'on appelle une communauté d'un réseau social. Une communauté, c'est des groupes de personnes qui ont les mêmes intérêts. Ça veut dire qu'ils voient les mêmes choses. Et c'est pour ça que
Par exemple, les grandes sociétés, elles sont en train de récolter des données. Quand je récolte des données, je vais voir quelles sont les similarités entre les différentes personnes. Où je mets la similarité? Mais je ne sais pas ce que je trouve. Premièrement, par exemple, la tranche d'âge. Est-ce que le contenu il est vu par des gens jeunes ou plus âgés ou des enfants, etc. Est-ce que la région, le pays, Afrique, Europe, États-Unis, ce qui ne les intéresse pas, pourquoi, par exemple, ils ferment certaines publications, ils se désabonnent de certains groupes. Tout ça va créer une communauté. Donc, quand avec le groupe gars, ils vont le faire, ils vont lui donner un contenu. Donc, il voulait le contenu, mais j'ai une personne, un contenu. Il voulait un groupe, un contenu. Un groupe, un contenu. Vous m'avez compris, j'espère. Donc, Oui. l'intérêt, c'est ça l'intérêt de faire des groupes. Deux, une image satellite, on ne peut pas l'étudier par pixel ou là. On peut l'étudier par groupe. Donc, ça veut dire qu'on va le voir d'un côté plus haut. Et c'est ça l'intérêt du clustering. Donc, je vous oublie même, par exemple, le côté, par exemple, des cancers, maintenant, les images radiographiques ou là, de scanner ou la DRM, on peut les grouper par groupe. On chauffe qui fait ça. Donc, tout ça va être utilisé par le clustering. Donc, donc, étant donné que le clustering ne se base sur aucune information antérieure, c'est un apprentissage non supervisé. Qui m'a les règles d'association? On ne fait pas de suppositions. Des fois, l'analyste peut fixer le nombre de groupes à obtenir. Il y en a deux. Nous pouvons mettre les données, on collecte chaque groupe. Le nombre de groupes est inconnu. Ou là, nous pouvons mettre l'exemple. Je veux regrouper mes clients en gros clients, clients moyens, clients occasionnels. On a déjà mes groupes. J'ai dit trois groupes. Gros clients, groupe 1. Groupe clients moyens, groupe clients occasionnels. Là, j'ai déjà fixé le nombre de groupes. Le nombre de groupes est égal à 4. Qui est l'inconnu à rechercher? Dans ce cas, l'inconnu à rechercher, c'est le nombre de données dans le groupe 1, le nombre de données dans le groupe 2 et le nombre de données dans le groupe 3. Flachor, c'est peut-être on va l'appeler du semi-supervisé. Donc, ce n'est pas du non-supervisé à 100% parce que on dit les classes, le nombre de classes. Bessah, qu'il y a un autre où je ne mets rien. Je dis, voilà mes données. Je veux savoir, suivant leur ressemblance, combien ils vont être dans un groupe, combien de groupes ils vont former. Donc, les deux cas. Donc, un cluster au fond, ou une classe, on l'appelle aussi classe, ou le groupe, un cluster est un ensemble homogène, ou je m'entends homogène, mais ils sont très, très rapprochés. Donc, ils ont des caractéristiques très, très proches. Donc, d'objets partageant des caractéristiques communes. Mais quand deux données différentes qui sont exactement similaires. Donc, on a des similarités fortes entre les données du même cluster. On va voir la complexité de ce problème. Est-ce que c'est un problème simple ou là, là, là? Donc, le clustering est un problème hautement complexe. En effet, le nombre de façons de classer un objet en quatre classes, on a une formule qui donne combien c'est difficile de classer un objet pour quatre classes. Et donc, on va donner un exemple pour voir vraiment la réalité des choses. Donc, ça veut dire qu'on dit 15 objets, 15 données. Je vais les classer en sept classes. Donc, il y aura plusieurs cas. Les deux objets de l'ouline diront classe 1, les deux autres classes 2, etc. La dernière classe, on dit la 3 données. Ah oui. Il y a non. Le premier, ou 3 données, l'autre, 2, X1, X2, ou la classe 1, ou la X1, X2, ou la classe 2.
on va avoir 5 millions de clusters possibles. Donc, le premier exemple, on a fixé le nombre de classes. Ils sont à 7. On a des objets et j'ai fixé les clusters. On a des semi-supervisés avec seulement 15 objets que je vais regrouper en 7 classes. Il y a possibilité de former 7 clusters possibles. 5 millions de clusters possibles. Pour une classification optimale de 15 objets sans fixer leur nombre de classes, on aura 1,4 milliard de clusters possibles. C'est vraiment énorme. Après, tu oublies l'échelle, par exemple, je vais regrouper des utilisateurs de Facebook ou de Google ou de Twitter. Je vais avoir des chiffres astronomiques. Donc, là, il y a la difficulté de la chose. Donc, c'est un problème hautement complexe qu'on va un petit peu voir et voir les différentes approches qui ont été retenues. Il y a beaucoup de approches. Je vais essayer de vous donner le clustering hiérarchique, le clustering par division, par agglomération. On va voir ce qu'on appelle le clustering par densité. On va avoir, il y a des clustering de très haut niveau qui sont le spectral clustering, etc. Je vais essayer de vous donner le maximum d'approches qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser le clustering dans quelle application? Les sciences économiques, l'étude de marché, etc., la classification de clientèle, le marché, découvrir des groupes distincts de clients, puis utiliser ces connaissances pour développer des programmes de marketing ciblé. Une offre pour les gros clients, une offre pour les clients occasionnels, etc. Donc, la classification des documents, suivant leur similarité, je me dis que Hada document, il parle de ça. Qui m'a, par exemple, Google, comment il classe les sites? Je ne sais pas, cours fouille de données, il met le cours, ou le site. Donc, il va étudier les sites, il va les regrouper dans la même classe. Clustering des données d'un site pour découvrir des groupes d'accès similaires. Pour les utilisateurs d'Internet, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne voient pas. Créer des cartes thématiques dans un site en regroupant les espaces identiques. Je vais essayer d'étudier le truc. Il y a même pour, par exemple, un drone ou un avion de reconnaissance, on peut détecter la similarité de certaines choses. Une maison, je ne sais pas, la détection la détection de fuites dans les pipelines des sociétés pétrolières, etc. Le traitement d'image, l'analyse des données spatiales, qui m'a une image spatiale, etc. On va l'étudier par. Eh bien, on a comme les approches de clustering. Suivant les méthodes, les clusters peuvent être durs, doux ou flous. Donc, on a trois formes de clustering. On a le clustering dur, ou le clustering doux, ou le clustering flou. Donc, pour le clustering dur, le hard clustering, on a des groupes où chaque élément l'attache dans un groupe X, mais existe dans un autre groupe Y. Donc, dans un clustering dur, chaque élément appartient à un et un seul cluster. Donc, ça veut dire où je m'en étais. Ou quand on écoute les groupes T1 de l'intersection, où je n'ai pas. Qu'est-ce que je vais trouver? L'intersection entre les différents clusters sera vide. Parfait. Et l'union des clusters va donner? Va donner l'ensemble des données. Ça veut dire indirectement l'union va donner X. Le X est l'ensemble des données. Et l'intersection, ce sera vide. Donc, deux éléments ne peuvent pas être dans deux clusters. Un même élément doit être dans un et un seul cluster. Donc, elle est bien qu'on a dit. Donc, ça, par exemple, il y a 4 données, X1, X2, X3, X4. Il faut un petit peu voir ça. Les données vont avoir des valeurs
numériques et des valeurs qui ne sont pas numériques. Rishftou, par exemple, les datasets qu'on a utilisés. Zama Weaver ou la Ndiro ta'a, qu'en bzaf les documents. Telkab li zama yqdar ikoun âge, yqdar ikoun le genre de la personne, femme, homme, enfant. Yqdar ikoun, par exemple, le groupe sanguin, A, B ou la. Hada, c'est pas numérique. Donc, je vois que la manière de les regrouper va dépendre. Donc, ça veut dire une donnée pour nous, ce n'est pas une seule valeur. Une donnée pour nous, c'est un ensemble de valeurs. Indirectement, chaque donnée sera représentée par un vecteur. Actuellement, X1, ça va être trois valeurs. Par exemple, le X1 appartient à C1. X1 ne va pas apparaître dans C2, ne va pas appartenir à C3. X2 appartient au cluster 2, donc mais appartient chez les deux autres, ou X4, etc. Donc là, quand un élément appartient à un cluster, il ne va pas appartenir aux autres. Le deuxième, le clustering doux, ou le soft clustering, il permet à chaque objet d'appartenir à un ou plusieurs clusters. On peut parler de clustering doux partiel si dans le résultat, un élément peut appartenir à un ou aucun ou plusieurs clusters. Il faut dire par exemple un degré d'appartenance. Il est loin de l'ensemble des clusters, ça veut dire qu'il n'appartient à aucun cluster. Ou là, il faut y appartenir aux deux. Donc ça veut dire il respecte la condition pour le cluster 1 ou il respecte la condition pour le cluster 2, il va appartenir aux deux. Par exemple, donnons un exemple. Le X1, il appartient à C1 et à C2. C1, C2, c'est des clusters. Le X2 appartient à C2 et C3. Le X3 appartient à C2 et C3. Et X4 appartient à un seul cluster qui est C3. Donc, il y a je ne suis pas si dur que ça. Donc, je suis un petit peu plus flexible. Le flow. Avez-vous la logique floue? Est-ce que vous connaissez la logique floue? Oui ou non? Est-ce que vous connaissez la logique floue? La logique floue, elle est utilisée, par exemple, des fois, je trouve par exemple, je vais vous donner un exemple. Je prends une bassine, on collecte, l'eau est froide. Donc, à quelle température l'eau est chaude? Pour lui donner une valeur. Est-ce que tu peux me donner une valeur liée avec la valeur l'eau est froide, faut avec la valeur l'eau est chaude? C'est pas relatif, tu ne peux pas. Parce qu'elle est un intervalle de valeur, pour exemple, 50 ou je ne sais pas, 60 ou là. Ça veut dire quoi? La logique floue, elle existe dans le cas où on n'a pas une tranche, une valeur tranchante entre les deux. Donc là, il y a un intervalle de valeur qui va faire en sorte que Minna et Berda. Et à partir de cet intervalle, Hada, c'est un intervalle de valeur. Quitte qu'on l'intervalle de valeur, tu ne peux pas fixer une valeur. Donc, ça veut dire où je trouve un pourcentage. Zama kima, zama nakmin donné, indir des clusters. On trouve à 90%, elle appartient à ce groupe-là. Tu peux l'homme, c'est une bonne mienne. 7%, indique des caractéristiques communes avec l'autre groupe. 3% à l'autre groupe. Ça veut dire oui, non. La logique floue, il n'y a pas une valeur où tu appartiens. Mais ce qui m'a dit, 100% C1. Nous avons dit X1 appartient à 60% C1, 30% C2, 20% c'est trop. Alors, mais si maintenant tu as appliqué à partir de C1,
mais عندوش des caractéristiques un petit peu communes à ces deux. Mais c'est un ou le plus important. Ça veut dire qu'il a plus de caractéristiques communes à C1 que à C2 ou à C3. Ça, ça reste aussi valable. Donc, le clustering flou, on introduit une notion de pourcentage. Donc, on est plus ou moins, il appartient à chacun selon un degré d'appartenance, c'est le pourcentage. Donc, كيف نحبوا نرجعوا من الفلو للدير نديروا له ماكس زعما بار اكزامبل نمدوا ان اكزامبل هنا بار اكزامبل اكس ابارتيان سي ا 90% سي 2 ا 10% اكس 2 80% سي 2 20% سي 3 اكس 3 3% 30% سي 2 70% سي 3 وزعما اكس ا 100% دوك كيف نحوس زعما نروح من الفلو للدير ساهل ندي اكس ان ندي اللي عنده البورسونتاج الكبير صافي دير نقول اكس ان ابارتيان ا سي ان اكس 2 ابارتيان ا سي 2 اكس 3 ابارتيان ا سي 3 و اكس 4 ا سي 3 دونك صافي دير انديريكتومون نقدر نعاود نولي للدير من الفلو ش بو باسي فير للدير. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est une simple classification des méthodes. On avance? Ça va jusqu'à présent? Oui. Parfait. Donc, c'est une description des méthodes de clustering. Donc, on a besoin de dire que l'hada, il appartient à ce groupe. Maintenant, on dit une mesure qui me calcule est-ce qu'il est plus. Parce que le but du clustering, un élément appartient à deux éléments appartiennent au même groupe s'ils sont très fortement similaires. Ça veut dire que les groupes les caractéristiques. Deux éléments, donc je vois notre but, c'est de former des groupes qui sont très rapprochés à l'intérieur et lointains à l'extérieur. Ça veut dire. Deux éléments de groupes différents et qu'on a le plus possible, le maximum lointain. Des éléments du même groupe doivent être le plus rapprochés possible. Donc, les Zemli indique une valeur de similarité. Qui veut dire une bonne méthode de clustering permet de maximiser la ressemblance entre les données à l'intérieur de chaque cluster et de minimiser la ressemblance entre les données appartenant à des clusters différents. Le clustering dépend fortement de la mesure de similarité. En effet, la similarité permet d'évaluer deux éléments pour les regrouper ou les séparer. Les chiffres de chèvres bzaf, diront le même groupe. Les chiffres de chèvres bzaf, diront dans deux groupes différents. Donc, la base, comment choisir la bonne mesure de similarité. Cette notion de similarité est une première étape pour définir un algorithme de clustering. Elle sera suivie par une étape décrivant la stratégie de construction des clusters. Il y a donc la ressemblance. On va d'abord appliquer l'algorithme. Il y a toujours l'algorithme d'un clustering. Il y a un tableau où il y a le calcul des différentes similarités. Ou B, il y a une stratégie de regroupement ou de division. Il y a la notion de similarité. Quel est ce mot similarité? كاين لي يسمو ديسيميلاريتي نقدر نقول لك شحال يتشابهوا ولا نقول اوسي شحال ما يتشابهوش صافي دير شحال اي سون ديفيرون بلس اي سون ديفيرون بلس اي سيرون دون دو غروب ديفيرون هي دي فوا تلقاو كلمه سيميلاريتي دي فوا تلقاو لا ديسيميلاريتي شحال ما يتشابهوا زعما باغ اكزومبل نقول دو بيرسون فلا اون كاركتيريستيك من بعد نشوفوا لي زوط زعما نقولوا اج نقول واحد 20 ans, واحد 25 ans, واحد 60 ans. Je peux dire que P1 20 ans, P2 25 ans, P3 60 ans. Je peux dire que P1 ressemble plus à P2 côté âge que à P3. Ça? Donc, là, on dit un critère. Le critère, vous qui compte l'aspect numérique, c'est plus ou moins simple. Parce que là, parce que عندنا
la notion de comparaison. On peut dire supérieur, inférieur, شكون كبير, شحال la différence. Donc on trouve بلي كاين ثاني le cas où les données sont de type catégoriel. هنا ce sera plus difficile pour nous. Parce que quand on dit زعما واحد عنده groupe sanguin AB, AB positif, واحد عنده groupe sanguin B+ والاخر عنده A+. وراه لي تشابه وراه لي ما تشابهش كيف ندير سوبيريور يا با دو سوبيريور انفيريور ici donc c'est une question catégorielle ça veut dire نقول واحد يسكن اوران الاخر يسكن الجي donc qui ressemble à l'autre qui ce cas là on va voir que la notion de distance va changer du coup je vais dire on va calculer une notion qui s'appelle les distances هي تبين لي شحال قريب ولا شحال بعيد دونك لا نوسيون دو سيميلاريتي ريبوز سور لو كالكول دو ديستانس انتر دو دوني توجور كومباري لي دوني شاك دوني اي كومبوزي دان انسومبل داتريبي نيميريك او كاتيجوريال سافي دير نقدر نقول لي ان بيرسون فيها لاج فيها السالير تاعها فيها لو نيفو انتيليكتويال تاعو اسكو يونيفرسيتير اسكو خرج او نيفو دو ليسي اكسيتيرا ونقدر نقول تاني لي كوتي كاتيغوريال لو غروب سانغان لا فيل دو ريزيدونس ايتترا هادو كاع لي كاركتيرستيك فون فورمي ان دوني اكس 1 زعما بيرسون 1 بيرسون 2 تاني لاج تاعو لو سالير لو غروب سانغان لا فيل دو ريزيدونس بيرسون 3 بيرسون 4 ايتترا اي سا سا كريا لو جي دو دوني تاع بروبريتي دين ديستانس soit xi et xj deux données différentes dont on veut calculer la distance. Un des qaïda, la distance entre xi et xj, elle est la même que xj, xi. C'est la même chose. Pour la distance entre P1 et P2 ou la P2 et P1, c'est la même chose. La distance est toujours positive ou nulle. Quand elle est égale à 0, ça veut dire qu'il y a à 100%. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune dissimilarité. Impossible de données différentes en une distance à zéro. Là, quand la distance est égale à zéro, ça veut dire qu'on parle de la même donnée. Ça va jusqu'à présent? Pas de questions? Je continue? Parfait. Donc, nous devons voir les types de distances qui vont nous permettre. Donc, calcul de distance. Donc, on a deux choses. Nous avons calculé les distances, nous classons les caractéristiques. Nous classons les caractéristiques numériques à côté ou les caractéristiques catégorielles de l'autre côté. Nous classons le numérique, ensuite nous classons le catégoriel kif-kif, parce que nous ne classons pas kif-kif. Donc, qui dit l'âge ou le salaire, haja. Ça qui dit le groupe sanguin ou la ville de résidence ou là, c'est autre chose. Donc, nous devons mettre comme le calcul des distances, nous considérons des données avec des valeurs numériques. Nous devons voir qui te confie le numérique ou le catégorie qui fait dire. Donc, le premier type de distance, c'est la distance euclidienne. La distance euclidienne, où je mets ça. Pour deux objets XI, XJ, n dimensionnés, ou je m'en dis n dimensionnés, ça veut dire un homme n caractéristiques. XJ1, XJ2, ou l'autre, XI1, X2, XIN, ou l'autre, XJN. La distance euclidienne, telle les deux, c'est la racine carrée de la somme des différences. Ou je m'en dis maintenant, dire XI1 moins XI, XJ1 au carré plus XI2 moins XJ2, le tout au carré, etc. Ta XIN moins XJN, le tout au carré. Alors, on va dire au carré. Évident. Donc,
toi, on utilise avec le XIJ, XIK, JK au carré. C'est une distance sur un négatif. Parfait. Laissez-moi la distance maintenant que je gagne négatif. Donc, ça veut dire que qui est élevé au carré ou de plus la racine carrée ne doit pas être négative. Donc, je suis sûr que les valeurs théoï seront positives. Parce que là, par exemple, nous avons une caractéristique. Nous avons P1 ou P2. Un a 20 ans ou l'autre a 40 ans. 20 moins 40, ce sera négatif. Ça, qui est élevé le carré, ça va être positif. C'est dans ce sens. Parce qu'il y aura toujours des fois où les deux valeurs peuvent être négatifs. Et prenons l'exemple. Si je prends par exemple les x1, 0, 2, deux caractéristiques, quand même, dites x2, 0, 0, x3, 1, 1, 1,5, hein? 1,5, 0. Qui va indiquer x1, x2, nous devons la première valeur de x1 moins la première valeur de x2, 0 moins 0 au carré. Plus 2 moins 0, ça me donne un 2. Nous faisons pour x1, x3. 0 moins 1 demi, plus 2 moins 0. Ça me donne 2,5. Distance x2, x3, nous faisons 0 moins 1,5 au carré, plus 0 moins 0 au carré, ça me donne 1,5. Donc, par exemple, qui est le groupe de calculer la distance, qu'est-ce que je peux dire? Côté clustering, où je trouve autour? X2, X3, ils sont plus proches. Donc, ils peuvent former un groupe. Ça? Ils peuvent dire X2, X3 comme un groupe. Ça? Je vais considérer X2, X3 comme un groupe. Alors, la distance, c'est la plus petite. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être regroupés. Il y a la notion de distance. Donc, nous avons un deuxième type de distance. Un deuxième type de distance s'appelle la distance city block. Il y a beaucoup de types de distance. Hein. Donc, il y a pas mal de distances. Donc, j'ai pris trois. Mais vous pouvez un petit peu trouver d'autres distances. Si ça vous intéresse, peut-être je vais vous donner quelques autres distances. Pour deux objets X, Y, X, J, indimensionnés, elle est plus simple. Généralement, en physique des sciences, on utilisera qu'elle est simple. Regardez. La distance entre x, y, x, j, c'est la somme des différences avec la valeur absolue. Donc, valeur absolue de x, y, k moins x, j, k. Au lieu de la racine au carré, je mets une valeur absolue et je m'assure que la distance reste toujours positive ou nulle. Eh bien, calculez-moi x1, x2, la distance entre x1, x2, x1, x3, x2, x3, en utilisant la distance de Manhattan. Allons-y. Donnez-moi la distance entre x1, x2, Schaltman. Est-ce que ça va donner les mêmes valeurs? Deux, parfait. Parfait, elle est celle. Donc, 2, x1, x3, 3,5, x2, x3, 1,5. Tu peux te le chouiller par rapport l'autre, je vois l'autre. L'autre qui est 2,5. Je vous dis tout le 3,5. Quelle est la distance la plus simple côté calcul? Dire la distance de Hamming. Quelle est la distance de Hamming? Elle est utilisée uniquement
dans le cas où les données sont de type binaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de valeur autre que 1 et 0. Et généralement, on utilise ça en biologie ou là. On utilise la notion de gène ou là. Tu mets des valeurs. Donc, pour deux distances binaires de même taille, elle est égale au nombre de bits de rang identique par lequel elle diffère. Je m'en étais. La main à l'autre. On colle شحال la distance binaire. Donc, là, on trouve شحال من bit du même rang ou ils sont différents. D'abord, par exemple, si je prends. Regardez, très bien, on va vous montrer un autre exemple. Minutes et je vais qu'il y a deux types. Si la séquence binaire comprend une valeur ou la plusieurs séquences, c'est dans ce sens que je veux un petit peu changer l'exemple un petit peu. Je vais faire un premier exemple où il y a une seule séquence. Normalement, c'est ça. Je vais repartager le cours avec vous. Je vais repartager le cours. C'est bon. En cours de route, on voit qu'il y a des explications qui seraient bien de les expliquer un peu en détail. Je vais faire le problème. Donc, par exemple, la distance. Regardez. Le cas où il y a une séquence et une séquence. Il y a la distance de Hamming. Le nombre, je compare les bits du même rang, on trouve que ils sont différents. Par exemple, le premier bit à x1, il est à 1. L'autre, il est à 0. Donc, la distance est égale à 1. Deuxième bit, 0, 1. Maintenant, plus 1, ça veut dire 2. Troisième bit, ils sont similaires. 2, là, 1. 3, 4. Donc, pour moi, la distance, elle est égale à 4. Et vous m'avez compris. Ça va? نحسب les bits du même rang ou une chouffe, est-ce qu'ils sont différents? Les canaux différents, dire plus 1. Les canaux, ils sont les mêmes, ils prennent la même valeur. C'est tout à fait normal. Vous attrayez le canal deux séquences qui sont les mêmes. La distance est égale à 0. C'est la même séquence. De plus, il y a des bits du même rang, le même ordre, qui ont des valeurs différentes, et l'un dire plus. Donc, il y a le cas où la séquence fait plusieurs séquences. Là, chaque séquence, la distance teha, on dit le max teha. Donc, regardez. شحال هنا لا ديستانس انتر اكس 1 اكس 2 دوني مو لا ديستانس دو هامينغ pour les deux dernières séquences. Ça vaut combien? Parfait. 5. C'est égal à 5. Alors, كي نحكم لا سيكونس الاولى نقول premier bit 1 0, c'est 1. 2,
ils sont égales de 3, 4. Très bien. La première séquence, la distance, c'est 4. Donc, on aura la deuxième séquence. Elle dit 1, 1, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a dit le max. Donc, c'est le max que je vais obtenir. Et donc, la séquence est 5. Donc, كاينه الا كانت سيكونس وحده باينه لا ديستانس لا ميم الا كانت بلوزيير سيكونس دون لو ميم باسكو كي يتيديو لو كوتي بيولوجيك دي شوز ولا عندهم دي سيكونس دو جين هكذا دونك هنايا سي سا لا ديستانس دونك سي سكو جي كونسيديري دونك نبداو لو كا وين ليليمون اي كاتيجوريال سا في دير عندي بروبليم. Le catégoriel, voilà le problème théo, c'est qui se pose lors des calculs de la distance entre attributs catégoriels, c'est qu'on ne dispose pas d'une mesure de différence. Maintenant, j'ai un collègue A B supérieur à A B plus supérieur à B plus ou là inférieur. Mais j'ai qui m'a numérique. Numérique, il est plus flexible. C'est elle, parce qu'il compare. La seule mesure qui existe, c'est l'égalité ou l'inégalité. Donc, نحكم زعما فيل دي ريزيدونس نقول يسكن الجي لاخر يسكن الجي ديستانس ايغال ا زيرو يسكن الجي يسكن اورون 1 يسكن الجي يسكن تيزي وزو 1 اي سي ريسومبل با دونك عندي سوا ايغال سوا ديفير سي لا سول شوز هي لا كانت هي لو ميو سي دافوار دي دوني نيميريك. Plus on a des données numériques, plus on a une évaluation plus intéressante. Ça qu'un des fois où une malcadrouche indique le numérique, blazement d'une du catégorie. Hena, dire là égal, c'est zéro. La différence est 1. Bien sûr, dire la division. Ça m'a dit trois catégories. On dit groupe sanguin ou on dit فيل يقدر واحد ساكن الجي اورو الجي ا بلس جروب سونغ الاخر اورو و بي بلس مي تشابهوش في زوج زعما 1 بلس 1 سي 2 2 ديفيزي بار 2 باسكو على عندهم عندي 2 كاركتيرستيك كاتيجوريال Où ils sont les deux différents. Donc, ça veut dire la distance en abinatum, c'est 1. Les 15 zama, ils sont Alger ou l'autre, le deuxième, ils sont Alger. Ou l'autre, un groupe A positif, l'autre, un O négatif. La différence, c'est 1. Ça, c'est une des caractéristiques 2. Donc, c'est 1 demi la distance. Est-ce que ça va? C'est clair pour le catégoriel. Est-ce que ça va? Parfait. Donc, on a qui va nous élément. Un élément fait le catégoriel ou le numérique qui m'a connu. Donc, qui m'a connu le comme? La distance entre deux données X et J composée d'attributs numériques et catégoriels. Et donc, c'est l'ensemble des deux distances. تخدم لا ديستانس تاع الاخرى وتخدم لا ديستانس تاع النيميريك وتجمع دونك كي يكونوا دي كاتيجوريال والنيميريك ما تقدرش تخلطهم لازم الكاتيجوري تخدمو ابار والنيميريك تخدمو ابار دونك كيفاه دونك البروبليم سي كوا انا عندي دي فالور دونك كاين بروبليم احنا قلنا عندنا زعما 5 فالور كيف نرجروبيهم يقدر نرجروبيهم ا مع 2 هادو باينين سي دو جروب ديفا بين دي جروب ديفا بصح كي يكونوا متشابهين جي دي بروبليم جي دو سافوار كيل كومون جو دي كو اكس 1 يابارتيوني جروب 1 ولا ماشي جروب 2 زعما بار اكزومبل يجوني دو زيتيديون قول لهم Très bien. J'ai la section MIV d'Irohali sous forme de groupe. Des groupes de travail.
habite en former des groupes de travail. Très bien. Dérouler des groupes de travail de telle façon que chez nous performants. Moi, généralement, on a des fois une équipe de travail qui te fait mobiliser le chemin de compte bien. C'est ce qui arrive au PFE. Le cas d'autres, ils chemin bien TP ou là. Ils vont faire du bon boulot. Quand des fois, oui, les éléments mais te font bien attendre. Donc le travail ne se fera pas bien. Et ça se fait même les sociétés, etc. Donc, t'as qui va le dire. Tu peux te dire que c'est هذا مع هذا مع هذا groupe 1. هذا هو الجروب تاعي. يقول لك فورميلي زعما دي جروب دو 4 ايتيديون. فورميلي دي جروب. واحد اخر يقول لك لا انا هذا يجي مع هذا وهذا يجي مع هذا وهذا يجي مع هذا. الاخر يقول لك نو انا هذا مع هذا مع كومون جو في ايفالوي. لازم يكون عندي ان ايفالياسيون باش نعرف شكون لو ميور. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui va former des groupes très, très rapprochés à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la distance intra-classe. La distance intra-classe calcule l'homogénéité à l'intérieur du même cluster. La distance inter-classe calcule l'hétérogénéité. Ça veut dire que je veux dire, شحال متباعدين. معناتها شكون المليح في الكليستيري بلس لا ديستانس انترا كلاس كون صغيره سي بيان اي بلس لا ديستانس انتر كلاس كون كبيره صافا لو كليستيرينغ اي ميور بلس لا ديستانس انترا كلاس اي بتيت données du même cluster très rapproché. La distance intra-classe, inter-classe plutôt, hein? J'ai oublié, il y a une erreur d'écriture. Inter, la deuxième. La distance inter-cluster est grande. Les données des clusters différents sont très éloignées. Il y a par exemple le cas. Elle est d'être 1 à 2 parce que très rapproché. Ou 3 ou 4, ils sont très rapprochés entre eux. Ou la distance binatome est bête. Donc, qui va نحسب la distance intra ou inter? Qu'est-ce que vous en dites? Comment je vais la calculer, le intra classe? Donnez-moi votre avis. Comment elle sera calculée? Qu'en dites-vous? Khayroum, tu m'as dit qu'on bzef les clusters. Qu'on a oublié la première. Ça veut dire Hadi. Le ou la libdi nabia. Par exemple, comment je vais calculer la distance entre ce son bleu ou la jaune ou la vert? Voilà, c'est bon. C'est évident. Nous devons calculer la distance binatum, ça? J'aimerais les bleus entre eux. Oui? Allons-y. J'attends que vous me donniez une réponse, si vous avez une réponse. Est-ce que nous devons calculer les distances entre les bleus, bien être? Oui, monsieur. La distance, mais de quoi dire? Mais de quoi dire la leçon? Est-ce que quand dire la leçon, moi je vais dire le problème tiens. L'erreur que je vais commettre, c'est quoi? Regardez que la distance intra-classe, t'as les bleus, c'est la somme des distances binatum. Ou la distance intra-classe, t'as les verts, c'est la somme, t'as les distances, t'as les données vertes. Ou les jaunes, c'est la somme des distances. Est-ce que c'était une bonne démarche? Ou là, c'est une erreur? Monsieur, je vais dire la distance entre les éléments éloignés dans le cluster.
les plus éloignés. Ça interroge le but tag. Le but tag, c'est-à-dire les éléments limite carbine dans le même groupe. Ça? Oui, mais ça, on a dans le cluster, sur le dernier. بصا لو كلوستر اون مي مام شحال لا ديستونس تاعو شحال لا فالور تاعو دوك انا هاني حسبت هكذا جو بو كونسيديري ان اوتر كلوستر خلي لي 5 مينوت دوك جوي شونجي برك لو ريغروبمون هاد ماتو ها دقيقه peut considérer un autre regroupement. Je peux considérer un autre regroupement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul regroupement possible. On peut avoir plusieurs regroupements possibles. Je vais voir que vous donnez une idée de d'un regroupement possible. Admettons, une donnée pour dire qu'il y a plusieurs manières de regrouper. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. Regarde. C'est la même où j'ai fait un autre groupe de mouvement. Maintenant, je vous compte faire. Admettons, je vais repartager le truc. شكون خير هذا ولا الاول ولا الدوزيام كي ميا ميا بالي درت برك انا مش بيو دوني ان فورما اخي قلنا شتو شحال من بارتيسيون بوسيبل جو بو تروفي دوت بارتيسيون نقدر نغروبيهم ديفيرامون ماشي معناتها بلي هذا لو كلوس هنايا حنا انا نانترودوي لكم الكلوستيرينغ هنا باينين parce que mettre bien, ça dit vous une chose, le cas réel, si je trouve très bien, je vais vous montrer un autre graphe, vous allez voir que c'est plus difficile, c'est pas facile. Admettons, parce que là, qui aurait comme une image, c'est évident. Le truc, c'est simple. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc, là, et là, il y a un problème. Donc, ça veut dire comment savoir le meilleur partitionnement possible. Tout l'intérêt le truc, c'est comment trouver le meilleur partitionnement possible. Et là, tu lis le choix de la distance. Donc, quitte calculer la distance intra ou inter, plus la distance intra de consrera, plus la distance inter, plus le clustering est de bonne qualité.
admettons هذه. اكتب هذه en bleu. شحال فيها من كليستر؟ Vous voyez combien de clusters ici? En trois. Bleu, tu vois en trois. Voilà, le premier, deuxième cluster, je fais deux éléments ou la trois? Deux. Deux éléments. Je peux regrouper les trois. Il y a, les six. Je les mets dans un cluster. Je peux mettre un cluster avec deux éléments. Et je peux mettre trois éléments. Un cluster fait un seul élément. Je peux considérer qu'il y a deux clusters. C'est un seul cluster. Un algorithme, le regroupement, c'est le meilleur regroupement. C'est ça le but. حنا عندنا دي دوني. انت ما راحش تفيزياليزيهم تشوفهم. راح انت لي دوني عندك دي كاركتيرستيك كيما هادو لي دوني. كيسك تي فا افوار او نيفو دي داتا سيت. سي لو كوردوني اكس اي غاد باغ اكزومبل صح؟ زعما دون زين ايماج ساتيليت واش يكون عندك؟ لي كوردوني اكس اي غاد وكاع وباغ اكزومبل لو نيفو دي غري تاع البيكسل مانيش عارف l'aspect couleur, etc. Tout ça va créer sa caractéristique. On va dire qu'il te regroupe. Qui va te regrouper? Te regrouper par rapport à ses caractéristiques. Il y a des combinaisons. Il y a plusieurs partitions possibles. Ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Là. Est-ce que vous me comprenez? Si. Hein? Hna, où est le but? Hna, le but? Hna, par exemple, qui est comme ça, je vais prendre les étudiants et qu'on a fait comme en groupe. En groupe de travail. Il y a une tête qui est comme X, la chorée qui est comme autre chose. Hada, l'élément, il y a une tête de l'équipe 1. Ou non, il y a une tête. بعد نقول ايا شكون خير لو ميور شاكان دو فو فا مدير انا بارطاجيتهم لو ميور واش ندير نحكم انا لي كاركتيرستيك ديال شاكان ونشوف لي جروب دوك لو جروب ان زعما فيه اكس ايغريك زد زعما ولا اكس ايغريك زد دبليو هادو هما لي كات ايتيدي نبدا نقول لهم ايا شحال في عمركم نوتي لي زاج تاعهم وين تسكنوا شحال ديت في المات شحال ديت في الشيمي شحال ديت كذا 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 عمرتها نحسب لي ديستونس بيناتهم نلقى لي ديستونس بيناتهم وي ولا شبي كالكولي لي ديستونس اونتر صح خلاص جروب ا هاولي جروب 2 ثاني جروب 3 جروب 4 هذا تاع لي تيديون برومي هكذا لمهم يعني حسبت لي ديستونس تاعهم الدوزيام تيديون ثاني نحسب واش نشوف نشوف لا ديستونس ا لانتيريور دو شاك كليستر لي مدها صغيره لا سوم دي ديستونس انترا كليستر تاعو سا يدير هو اللي دارهم رابروشي دونك سي سيلوي كي ا في لو ميور ريغروب parmi ceux qui ont tous donné حنا لو بيت تاعنا ماشي نريغروبي برك نريغروبيهم دو لا ميور فاصون كيفا نقول لا ميور فاصون سا يدير جو في لي ريغروبي دو تيل فاصون qu'il soit le plus rapproché à l'intérieur et le plus éloigné entre deux clusters différents. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'avez compris? Parfait. Donc l'idée terne, c'est quoi? L'idée terne qui est simple, le mouchki lukan dire la somme des distances. Quel est le problème que je vais avoir? شوفوا بار اكزومبل برك ليماج اون بلو وكان ندي كيما قلتوا تروا كليستر ندي هذا وندي هذا وندي هذا صح
je vais mettre trois clusters. Quand on calcule la distance, c'est le premier cluster. Ou la distance, c'est le deuxième cluster, intra-cluster. Ou le troisième. Bien, il y a un cluster, un seul élément, la distance intra-cluster, c'est un peu parce qu'il y a une seule distance. Hada, même ils sont rapprochés, fait 7. On a distance 1, plus distance 2, plus distance 3, plus... On a une malgré ils sont rapprochés. Donc ça va fausser. Hada, la manière de sommer les distances va faire en sorte de favoriser les clusters de grande taille et de défavoriser les clusters de petite taille. Comment? Donc, je vais dire la moyenne des distances entre les éléments du même cluster. Donc, la distance intra-cluster, elle sera calculée de façon que نحسب la moyenne des distances des éléments à l'intérieur du même cluster. C'est-à-dire l'élément, l'effet 7, نحسب la distance entre ces éléments, ben, divisé par 6. Pour garder un équilibre entre les clusters de grande taille et les clusters de petite taille. Sinon, même deux éléments éloignés, qui n'ont pas la distance intra-cluster, n'ont pas la par rapport à un cluster regroupé, ça fait 100 données. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, demain, mardi, il y a un mardi, c'est ça. Mardi, il y a un TP. On va continuer sur ça. On va faire une simulation de l'algorithme qu'on va apprendre. Ça veut dire, voilà, laissez-moi te faire la démarche de la clustering hiérarchique. Qui me fait faire avec vous, on va appliquer sur WEC. OK? Oui, donc, on va faire un appliquer sur un dataset qu'on a déjà. Ou là, n'abattez comme un dataset différent sur lequel on va l'utiliser. Très bien, pour le TP, où est-ce que je m'en retourne ou là, voilà. Mardi, je vais voir votre travail. Vous m'envoyez les rapports. Et on doit passer à une étape supérieure. L'algorithme avec Marach, il y a quand même comme un biais de cela. C'est bon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur, quand vous dites rapport, vous voulez dire un PDF? Ou là, RTP, vous me partagez votre écran et je veux voir chacun de vous qu'est-ce qu'il a fait. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Il y a des questions? Allez, je vous remercie. Merci à vous et Sahaf Torkam à l'avance. Merci, monsieur. Sahaf Torkam, bonne journée. Merci à vous. Bon courage à vous. Si vous avez des questions, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez